pour vous exprimer, poser vos questions, partager vos points de vue ainsi que vos informations. Le numéro du standard 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, assassinat de la noire américaine par 5 policiers. Triste affaire, triste information encore une fois, qui vient des États-Unis. Mais cette fois-ci, c'était plus vite pour punir les 5 policiers. Et le procureur de la République il les a condamnés tout de suite pour éviter les morts encore aux États-Unis. C'est vrai que l'arrestation d'individus aux États-Unis est très violente s'ils résistent, s'ils n'obéissent pas. Obéissance, malheureusement, n'est pas dans certaines affaires, surtout concernant certaines communautés qui sont ciblées toujours pour contrôler l'identité, etc., etc. Mais cette fois-ci, on a tout de suite condamné les 5 policiers. Alors ça, c'est une information également que vous pouvez, si vous voulez, parler sur ce sujet-là. Deuxième chose, c'est l'attaque à la main armée, l'attaque terroriste dans un Knesset en Israël. Une dizaine de morts, plusieurs blessés par une personne de 21 ans. Un jeune palestinien. Voilà, ça aussi, c'est un conflit qui dure depuis des années. Et malheureusement, c'est la violence qui règne, et surtout qu'actuellement, la totalité des pays, surtout les pays musulmans, qui étaient très durs à l'époque, avec Israël, ils ont fait la paix avec l'Israël. Ils sont en paix, mais les mouvements palestiniens, comme à l'époque, étaient manipulés, utilisés par certains pays arabes, qu'ils soient Libye de Gaddafi, la Syrie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les pays arabes du Golfe Persique. Chacun, il avait son mouvement palestinien. Il finançait le mouvement palestinien, il considérait l'Israël comme l'ennemi. Et voilà, c'est une longue histoire qui dure et qui durait. Mais depuis quelque temps, comme vous le savez, depuis surtout l'arrivée de Donald Trump, il y a un pacte d'Abraham qui a été signé. Suite à cette signature de pacte d'Abraham, la totalité des pays arabo-musulmans, ils ont fait la paix avec Israël. Alors actuellement, le seul pays qui soutient des actes terroristes et des mouvements terroristes palestiniens, c'est la République islamique d'Iran, officiellement. Même c'est officiel, hein, puisque Ali Khamenei, le guide spirituel, a toujours dit... comme quoi il soutient tous les mouvements contre Israël. Et malheureusement, ce n'est pas avec la violence et l'arme, et l'assassinat et des actes terroristes que cette conflit s'est pas réglé. Surtout que déjà c'est réglé parmi les patrons des Palestiniens. Les patrons, ce n'est pas l'Iran, la République islamique d'Iran, il profite de cet mouvement, de tous les mouvements palestiniens qui peuvent, en sa faveur. Quand, chaque fois qu'il a des problèmes, au lieu de dire qu'il vient d'Arabie Saoudite ou d'autres pays, les États-Unis ou je ne sais pas quoi, lui, il vient d'Israël et il encourage des mouvements terroristes à l'intérieur d'Israël.
Ce qui n'est pas vrai, c'est-à-dire la République islamique d'Iran, puisqu'il est basé d'être à côté de la Russie et de la Chine, et la Russie est actuellement en guerre presque avec le Nouveau Monde, alors ça c'est plus dangereux qu'avant, puisqu'il y a une attaque contre l'Iran. Qui est sur la table depuis déjà plusieurs années, avec l'imbécilité qu'ils font les dirigeants de la République islamique d'Iran. Chaque jour s'approche ce problème d'attaquer l'Iran, s'approche et c'est grave et dangereux, surtout pour le peuple iranien. Alors vous avez la parole, je vous invite à nous appeler en composant le 08 92 23 95 20 pour nous dire ce que vous pensez, mes chers amis. Notre Terre, au même instant, dans des millions de galaxies, les hommes attendent un jour meilleur, et le spectacle continue. Venu du fond de vos mémoires, vous rappelez à l'essentiel, nous visitons notre présent. De temps en temps, portés par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant, ici et maintenant. .2 FM, radio ici et maintenant, fondée par Didier Deplège en 1980. Radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel. De n'importe quelle couleur, pensée ou origine, vous avez la parole. David Abassi, écrivain historien, vous présente l'humeur du temps. Tous les premiers et derniers samedis du mois, dès 23h. Vous pouvez nous écouter aussi grâce à Internet sur n'importe quel support, smartphone, iPad, ordinateur, n'importe où, à la maison, au travail, dans le métro, le bus, partout. Il se passe des choses, il se passe rien. Également présent sur le DAB+, canal 9A. Pour vos questions et interventions en direct, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20 08. 92, 23, 95, 20. La puissance est notre royaume, souffrant de voir tant d'ignorance. Parfois ce jour des apparences, pour envoyer ses messagers. Jésus, Socrate, Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra, tout en Camon. Repeint des bras, chacun son tour conduit la danse. Porté par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant. Envoyer ces messagers, Jésus, Socrate, Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra, tout en Camon, repeint des bras. Ne m'enterrez pas encore. Je ne suis pas mort.